Alors, bonjour mes chers amis, Gémeaux, bienvenue sur la chaîne. Voilà, bon, allez. Allez, je commence le tirage. Donc, première semaine, deuxième, troisième et quatrième avec l'énergie principale, quelques informations des anges, quelques informations sentimentales, une petite chanson, des petits mots aussi, peut-être qui vont cibler certaines personnes plus que d'autres. Là, j'avoue que j'en ai tiré un petit peu trop, parce que je brasse, je brasse, je brasse. J'ai fait mon petit, ma petite popote. J'ai mélangé, j'ai demandé pour les Gémeaux et j'ai eu tout ça. Voilà. Donc je me suis dit, mince, comment je vais faire? Parce qu'il y a de tout, il y a de tout et son contraire aussi, hein. Parce que je vois un amour passager et je vois un amour vrai. Donc peut-être vous êtes en deux, entre deux. Peut-être que vous devez choisir entre un amour passager et un amour vrai, sincère. J'ai deux personnes, hein. J'ai 50 et 60 ans et j'ai 30 et 40 ans. Ça peut indiquer certaines personnes. Il y a Paris, il y a ceux qui sont dans la région parisienne. L'entreprise publique et l'administration ici, hein, ça peut être quelqu'un qui travaille au niveau de la mairie, des écoles, voilà, tout ce qui est en relation avec l'État, quelqu'un qui porte des lunettes, qui peut être ouvrier. On a quelqu'un qu'on connaît, je le connais, je l'ai déjà vu. Dans les 3 mois, sinon, on a quelque chose dans les 3 mois qui va se passer un changement. Il y a le mot changement quand même. Une personne mince qui aime les animaux, qui a des animaux, si vous avez. Une personne, une femme rousse. Ah, j'ai un homme blond, un homme qui a les cheveux clairs, ou peut-être les cheveux gris, peut-être. Ou une femme rousse qui se teint les cheveux. Et puis, il y a quelqu'un qui a aussi un appartement, donc qui vit dans un appartement. Peut-être qu'il est question de changement d'appartement aussi. Des yeux marrons, une personne qui a les yeux marrons. Et il y a aussi l'Est, donc l'Est de Paris, l'Est de la France, l'Est de votre ville, je ne sais pas. Et il y a le mot lâcher prise, hein, quand même. Hein. Donc lâcher prise sur une situation. Alors, chers amis Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3. Ça dure depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe que je... Oui. Alors, il y a un déplacement ici, VRP. Il y a un déplacement, il y a du commerce aussi. Quelqu'un qui voyage beaucoup, qui aime les voyages. Hein. Et on a quelque chose qu'on dit en attente ici, au niveau d'un contrat, d'un accord. Contrat qui dure depuis longtemps, qu'on attend depuis longtemps ici. Alors, soit c'est une personne ici qui va se retrouver un petit peu malade, en attente, une situation de malaise, de mal-être, de maladie. Donc, il est question de lit, il est question de repos, hein, de repos. Et après une période de repos, il y a un retour du passé. Ou il y a quelqu'un qui revient au galop, vous revenez au galop vers le passé, mais c'est plutôt sexuel. Voilà, parce que c'est une histoire de lit. Donc attention, mes chers amis Gémeaux, vous retournez sur le passé, quelqu'un revient vers vous, mais peut-être pour une histoire de lit. Ça va indiquer peut-être une période de repos, hein, de latence, de mal-être et de malaise, hein, parce qu'il y a quelqu'un de malade aussi, hein, et qui va revenir vers le passé à un moment donné. On a une personne ici qu'on connaît, savoir et connaissance, le travail, l'engagement, une personne aussi qui peut être en relation avec votre travail. Depuis cet hiver, ici, il va y avoir un éclaircissement sur cette relation. Vous allez peut-être apprendre des choses nouvelles, des choses qui étaient gelées depuis l'hiver ou qui étaient en stand-by. Et puis, il y a un éclaircissement, il y a une prise de conscience, il y a une mise en lumière. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous apprendre des choses que vous ne savez pas depuis cet hiver. Donc, ça va se décanter. Hein, je crois quelque chose qui va se décanter vers l'amour, d'ailleurs. Vous avez une personne dans votre entourage aussi qui peut être très triste. Hein. Il y a une personne ici assez triste, dans un moral à zéro, qui a apparemment un cadeau qui l'attend sur le plan sentimental d'un engagement amoureux. Donc il y a vraiment l'amour vrai ici. Hein. J'ai l'amour vrai en synthèse. L'amour vrai, vous voyez. Donc c'est une personne savoir et connaissance. Je le connais, je l'ai déjà vu. Voilà. J'ai un petit mot qui peut effectivement vous dire que vous connaissez cette personne, que vous êtes peut-être rencontré pendant l'hiver dernier, vous l'attendez, vous attendez un éclaircissement de sa part ou une prise de conscience ou quelque chose qui va s'illuminer. Donc, deuxième semaine, on a une tristesse, mais on a un cadeau de l'univers, donc soit un cadeau de l'amour qui arrive ou un cadeau matériel de l'amour de votre partenaire ou de la future personne qui rentrera dans votre vie. Oui, c'est un cadeau qui a du mal à arriver. Hein. Ça peut concerner effectivement le matériel, parce que je vois la possession ici,
la sécurité matérielle, l'engagement. Donc, il y a l'appartement aussi, ça peut être aussi une attente par rapport à une vente d'appartement ou quelqu'un qui a besoin effectivement d'argent. Ok, lâcher prise, ça pourrait être l'automne. Ok. Donc, deuxième semaine, attention à un moral un petit peu difficile parce que l'amour vous attend. Hein, l'amour vrai, l'amour sincère, l'amour durable. Peut-être que depuis l'hiver, c'est bloqué, ça va se décanter en deuxième semaine. Troisième semaine, on a la prise de recul, la méditation, surtout. Ne pas se précipiter sur une situation qui tourne en rond depuis cet automne. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit lâcher prise sur les difficultés, sur ben, si vous vous prenez la tête pour rien, si vous voyez que tout est négatif, si vous tournez en boucle. Hein, j'ai l'impression qu'on tourne en boucle depuis cet automne sur une situation. Donc, relativisez, prenez du recul, soufflez, soufflez, position yoga, faites des méditations, allez sur Internet, essayez de trouver des solutions. Des fois, il y a des sons à écouter, il y a des soins qui sont faits. Maintenant, c'est aussi ne pas se précipiter dans une décision qui, justement, vous embrouille l'esprit. Hein. Si vous êtes plus focalisé sur le négatif que sur le positif, il ne faut pas prendre de décision tant que vous n'êtes pas libre et détaché de cette situation afin d'y voir plus clair. On a l'impression qu'il faut vraiment, comme l'aigle, prendre de la distance et regarder les choses de loin ici. C'est ce qu'on me dit. Alors, Become So Numb. Alors, il y a une chanson qui m'arrive. Become So Numb. Qu'est-ce que c'est que ça? I can feel you there. Become So Numb. Il faut que je cherche la chanson. Donc, il y a une chanson ici qui m'apparaît. Je pense que c'est celle-ci qui doit vous correspondre. Become So Numb. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Franchement, je ne sais pas. Devenir So. Alors, j'aime bien l'anglais, mais je ne suis pas quand même. Hein? Forte, forte. I can feel you there, par contre. I can't feel you there. Je ne peux pas te sentir ta présence, en fait. Bon, on verra après. Alors, donc, j'ai dit de prendre de la distance sur une situation qui semblerait difficile à trouver la solution. Vous sentez perdu, vous sentez étouffé, vous sentez, vous savez plus comment vous en sortir. Voilà, donc un petit peu de patience. Peut-être que l'automne aussi. L'automne fera toute la différence pour vous. Ça tourne en boucle, mais qu'à l'automne, des choses vont se décanter. Une opportunité arrive sur la fin de mois. Une opportunité, une ouverture, une porte, hein, une porte qui s'ouvre, une proposition intéressante sur le plan matériel, sur le plan des finances, sur le plan de l'achat. Par rapport à une personne aussi assez aisée, il y a une protection du ciel. Donc, les finances devraient aller mieux sur la fin du mois. Il y a une opportunité peut-être de grandir financièrement, d'acheter, de prospérer. Ça peut être quelqu'un qui est dans une entreprise publique ici, l'administration, ça peut être l'achat, hein, un changement notable qui est protégé par l'univers. De toute façon, vous ne risquez rien. Ça doit être programmé. C'est quand ça doit arriver, ça arrive. Donc, une offre intéressante va tomber d'une manière inattendue aussi, parce que vous n'y attendez peut-être pas. On vous dit de relativiser, hein, que quelque chose va se décanter grâce aux anges, aux prières, grâce à Dieu, grâce au destin, et ça va vous stabiliser. Voilà, une opportunité de prendre peut-être ou d'acheter, de prendre un appartement, parce que j'ai l'appartement, de vendre un appartement, de devenir un peu plus stable, un peu plus sécure, et d'avoir une connexion avec quelqu'un aussi de riche et peut-être de quelqu'un d'esthétique. On a quelqu'un, donc un homme blond, une femme rousse, un changement dans les 3 mois, on me dit dans les 3 mois quelque chose qui va arriver. Peut-être en lien avec Paris. Voilà. Voilà, ce sera tout donc hein, pour ce mois. Ensuite, par quoi je commence? C'est les anges qui vont me dire que. Oui, donc il y a une certaine latence parce que si le mot dans les 3 mois est tombé, c'est qu'aujourd'hui c'est compliqué. Peut-être que vous allez avoir une offre, mais que l'offre se fera en automne, par exemple, que vous en sortirez vraiment en automne. Mettons, si vous vendez une maison, vous savez que vous avez 3 mois à attendre en général. Hein, en général, le temps de la vendre et de, voilà, de récupérer l'argent.
Et le coffre, c'est vrai, savoir reconnaissance. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi le fait d'avoir quelqu'un qui est triste et que vous devez peut-être prendre les choses plus sereinement pour lui offrir quelque chose, pour lui proposer quelque chose à cette personne autour de vous. Il y a quelque chose qui rend triste quelqu'un que vous connaissez, hein, qui rend triste. Depuis l'hiver, on me dit qu'il y a un cadeau qui tourne en rond, c'est-à-dire que vous avez commencé à goûter à ce cadeau, mais que financièrement, c'est compliqué peut-être. Vous avez du mal à y voir clair. Vous avez du mal à vous en sortir financièrement, parce que le coffre, et là, ça me fait penser vraiment à de l'argent qui a du mal à arriver. Ou peut-être que vous faites la même chose toute la journée, et c'est vrai que ça vous rend triste, ça vous rend malade, ça gèle les choses. Peut-être que vous allez devoir changer quelque chose, parce qu'il y a un changement de comportement. Et donc, on me dit aussi par cette ligne que ça va être mise en lumière de l'amour sincère. Peut-être depuis l'automne ou l'automne prochain, vous devez lâcher prise, vous devez faire les choses, laisser les choses se faire, parce que l'univers protège cette relation ici. Elle doit arriver peut-être sur l'automne prochain. Donc, c'est pour ça qu'on me dit, voilà. Ça va vraiment vous dire, regardez, confiance, confiance en l'avenir. Arrêtez de vous préoccuper, de faire tourner en rond votre esprit, de vous emmêler les pédales, peut-être de vous manquer de confiance en vous. Faites confiance en l'univers, en les anges. Il est là pour vous protéger et vous guider. De toute façon, vous devez avoir confiance dans cette situation. Gardez confiance, parce que pourquoi? De grands changements positifs arrivent. Donc oui, il y avait le mot changement. Encore, j'en reviens pas, c'est un truc de malade quand même. C'est bizarre, hein? Il y a le mot changement ici qui arrive. Donc, au changement, une opportunité ici. Donc, prenez peut-être du recul sur quelque chose qui vous fait, qui vous provoque de la tristesse, qui vous rend malheureux, qui vous rend vraiment triste, parce qu'une opportunité arrive sur la fin, peut-être, pour acheter, pour vendre, pour vous stabiliser. Et il y a de grands changements positifs. Donc, ça peut être à tous les niveaux. Confiance en l'univers, de grands changements positifs, mais c'est pour l'avenir. Il va y avoir des éclaircissements, regardez-moi ça, des éclaircissements de fou dans vos vies respectives. Mais par contre, attention, parce que pour l'instant, il ne faut pas se précipiter. On me dit, ce n'est pas le bon moment. Voilà, relativisez, prenez du recul. Exactement ça. Ça n'est pas encore le bon moment. Peut-être que vous devez attendre quelques mois, puisqu'on m'a dit dans les 3 mois, que les choses se décantent ou que les choses arrivent de la manière dont vous voulez. Alors, ensuite, on finit par le sentimental. Donc encore, 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 c'est dingue. Regardez-moi ça, j'ai le labyrinthe ici. Sentimentalement, on a la guérison, donc on doit, écoutez, essayer de guérir. On a le chiffre 3 semaines. Tiens, tiens. Lâcher prise sur la. On a le mot lâcher prise. Non mais je rêve. Lâcher prise. En fait, j'ai mis où le lâcher prise? Là. Ben oui, là, regardez, là. On a lâché prise et on a la chance qui va tourner. Et moi, la chance, c'est l'univers qui vous protège. Donc, on vous dit, vous avez besoin de guérir sur une situation qui est complètement bloquée, sur votre cœur qui est complètement bloqué, qui vous sentez vraiment étriqué dans une situation. Je pense que ça peut concerner effectivement le sentimental et que vous devez lâcher prise sur une situation qui vous prend la tête et qui va peut-être se décanter en automne. Hein, et que la chance va tourner pour vous. La chance va tourner, il y a une opportunité d'avancer. De toute façon, l'univers fera les choses en temps et en heure, parce qu'on vous dit d'avoir confiance. Hein, on vous le dit. Là, moi, je pense qu'il y a vraiment des choses qui se. Waouh! J'en suis. J'ai des frissons. 5, 5, 5, tiens. Je vois 5, 5, 5. Il faudrait que je vous le montre. Voilà, 5, 5, 5. Ah, 5, 5, 6. Ça vient de passer. Hein. Donc. 555, c'est le mot changement. Moi, une fois, j'ai vu que des plaques d'immatriculation en 1 heure. J'en ai vu 3, c'était 555. J'ai dit, mais qu'est-ce qui. Non, 4 même, 4. 4 sur ma route, 555. J'ai dit, il y a un truc qui va se passer. Effectivement, le lendemain, il y avait un truc qui se passait. Donc, je vous dis, vraiment, c'est qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour vous sortir d'une situation dans laquelle vous allez devoir guérir. Ben justement, la guérison, c'est peut-être aussi la méditation, prendre du soin de vous, prendre soin de vos énergies, faire appel un petit peu à des soins sur Internet, des sons, de faire du magnétisme, du Reiki, de ce que vous voulez qui ferait vous ferait du bien, même des bains avec des senteurs, des huiles essentielles, guérir aussi d'une situation qui vous a fait du mal hein, avant, pour pouvoir y voir plus clair et sortir de là
et d'apporter la chance d'un renouveau, d'une nouvelle situation qui pourrait arriver sous peu, plus tard, bien sûr, une fois que vous serez sorti là-dedans. Peut-être qu'une situation va se décanter d'une manière inattendue. Voilà, mes chers amis, Gémeaux, je vous souhaite tout le bonheur du monde, plein d'amour. À bientôt, bye bye.